Soren Prévost. Bravo. Ouais, bonjour. Bravo. Merci. Quelle pression. Chers auditeurs, chers collègues adhérents, pardon, Michel, vous... Non, je voulais simplement dire que tu as un rôle très important parce que tu réponds au courrier de nos auditeurs. C'est vrai. Que les auditeurs envoient à nos invités. Oui, voilà, je vous mâche le travail. Donc, chers auditeurs, chers collègues adhérents de fin d'année d'associations caritatives pour la défense des prédateurs sexuels émasculés sans anesthésie, Julie, petit Michel, bonjour. Alors, ce matin, je reprends mon bâton de pèlerin pour répondre au courrier qu'ont adressé nos auditeurs à nos invités, Dominique A et Cali. Deux invités, donc deux fois plus de courriers. Vous m'excuserez donc de ne pas leur dire bonjour, pas de temps à perdre. Un simple clin d'œil devrait suffire. Voilà, vous l'avez sur Internet, le clin d'œil. Voilà, tout à fait. Je précise que cette chronique est certifiée tout à l'égout. Une première lettre de Omar Sy Natra de Paris. Alors, cher monsieur Dominique A, vous serez entouré pour votre musicorama aux Folies Bergères d'une belle bande de chanteurs, dont quelques barjots. Et c'est pas un peu convenu tout ça, des chanteurs pour un concert, franchement? Oh, il y a quelqu'un? Voilà. Alors, Dominique, si vous permettez, je vais répondre pour vous à ce laborieux courrier. Faites. Voilà. Cher monsieur Natra, Dominica, c'est en effet en compagnie d'une... Ah oui, c'est Omar Sy Natra. Voilà, tout à fait. Michel, voilà, vient de comprendre. Savez, on va chercher très très loin ces courriers. Hein. Donc, vous serez accompagné en effet d'une ribambelle de chanteurs parmi les meilleurs de leur génération, mais... Dominique A envisage de refaire le même Eric Raoult le 24 décembre au soir avec quelques génies de la finance comme George Soros, Warren Buffett et sa petite sœur Marie-George, Bill Gates, etc., etc. Bref, des amis financiers qui chanteront avec lui les merveilles du CAC 40, les délices de la bourse au pied d'un sapin en ivoire et en cachemire. Alors attention à ne pas rater la première partie assurée par notre géant de l'économie française, Alain Minc. Ouais. Alain Minc chante les Sex Pistols à poil sous son kilt, bien évidemment, ça va faire du bruit et du chiffre. Alors, une deuxième lettre de madame Bov Harris, orangiste. Cher Harris. Oui, s'il vous plaît. Cher Cali, je viens de voir sur votre Facebook qu'en se prenant en photo en couple, on peut gagner deux places pour vous voir en concert au Casino de Paris. Alors, puis-je me prendre en photo toute seule parce qu'à deux, je m'ennuie? Alors, Cali, inutile de s'énerver, je vais répondre à cette question. Chère madame Bov, ce concours concerne toutes les dates de la tournée commerciale de Cali. Vous pourrez aussi gagner des places pour le concert de l'Hyper-U de Mortagne au Perche en posant avec un pneu, ou bien pour le concert acoustique du supermarché Auchan de Montauban au profit de l'association Œil de Verre Poumon d'Acier. Voilà, ça c'est du beau concours, hein. Dire qu'on ne perd rien. C'est une belle œuvre, Œil de Verre Poumon d'Acier. Une troisième lettre pour monsieur A de la part de Aung San Suu Kyi, mystère, je me comprends. Alors, monsieur Dominique A, de nombreuses stars du showbiz comme vous ont fait carrière avec un patronyme scénique très très court, Jean-Paul II, Pi 12, Pi 3, 14, 116. Seriez-vous tenté par une carrière dans la papauté ou la mamauté? Amitié à madame. Alors, chère madame Suu Kyi d'ailleurs, on ne veut pas savoir, Dominique A choisi un nom de scène court pour se démarquer des autres Dominiques célèbres qui ont jalonné l'histoire de la scène française. Ainsi, on ne le confondra pas avec Dominique Nikonik et s'en allait tout simplement routier pauvre et chantant. Ou avec le fameux serveur de droite décomplexé des brasseries parisiennes, pardon, dont le cri de guerre résonne encore aux oreilles des buveurs de bière lorsqu'ils commandent leur breuvage. Oh, Dominique! Deux villes peintes, voilà, les fameuses peintes de la ville. Oui, mais oui, vous pouvez souffler. Hein, voilà, les fameuses peintes de la ville. Alors Dominique a un nom étrangement court, c'est vrai, mais il se retient et il marque les esprits. Enfin, une dernière lettre adressée à Cali de la part de Sister Act de Carreur. Monsieur Cali, vous avez soutenu de nombreuses associations depuis 2009. Vous soutenez la fondation Abbé Pierre. Eh ben moi, je vais vous dire, Abbé Pierre, je le connais. C'est quelqu'un de formidable, oui. Vous avez bien raison de le soutenir, sinon quand passerez-vous à Cahors, que je vous confesse? Alors, cher Sister Act, c'est normal pour un artiste comme Cali de soutenir une fondation. Ce qui serait plus étrange, c'est que des fondations soutiennent des artistes. Ça voudrait dire que les artistes sont en construction et qu'ils ont besoin de solides fondations. Attendez. Putain, ça me fait peur, je crois que j'ai dit un truc intelligent là. Alors, non, je préfère m'arrêter là. Mais avant de partir, je ne dirai pas au revoir à Dominique A et Cali. Je vais surtout leur dire bonjour les gars, bien ou bien? Soren Prévost. Au revoir sur Europe 1.fr. Oui, amitié à madame Bov, Harris, Rangis, hein. Oh, il y en a eu d'autres. Festival.